Bonsoir YouTube, on va faire la tier list des légumes. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît moyen. Mais il y a quand même des bons légumes dans la vie. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, hein, évidemment. Alors, on va les classer de S à D. Alors, bon, voilà, les légumes, c'est... les gens savent que les légumes, c'est pas ma grande passion. Mais je pense qu'ils vont être surpris de certains résultats. Je pense. Ou pas, mais... après, ça, c'est vous qui choisissez vos émotions, j'ai envie de dire. Enfin, on les choisit pas, on les vit. Voilà, vivez vos émotions en regardant cette belle vidéo. Hein. On commence avec le chou-fleur. Alors, chou-fleur, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Et à mes souvenirs, c'était pas fou. Chou-fleur, pas fou. Aubergine. Aubergine. Bon, on va essayer de tous les connaître, mais à mon avis, je les connaîtrai pas tous. Hein. Aubergine. C'est pareil. C'est, dans mes souvenirs, c'est pas fou. Mais tu vois, ça, pour le coup, c'est bien des trucs que j'aimerais bien goûter. Alors, pas cuisiner. Parce que je pense que j'en ferai de la merde. Mais regoûter, pourquoi pas. Pourquoi pas. Poireau, je suppose. Poireau, c'est bon. J'ai mis du temps à m'y mettre au poireau. Et finalement, poireau, plutôt solide. Hein. Ouais, j'aime bien. J'aime bien poireau. Champignon, pareil, champignon, c'est bon. Alors, patate douce. Est-ce qu'on casserait pas directement le game en disant que c'est le meilleur légume du monde, la patate douce? Je pense que ouais, quand même. Patate douce, c'est imbattable. Hein. Vraiment, hein, patate douce en purée, en frites. Enfin, c'est... Le jour où j'ai acheté ma première patate douce, c'était une révélation, quoi. C'est genre, ma main, elle brillait, quoi. J'ai trouvé ça bizarre. En fait, c'est bon, quoi. Alors que tu vois, après, tu vois, t'achètes des radis, et puis bah, tu vomis, quoi, du coup. Donc, ah merde, j'avais baissé un peu. Voilà, c'est bon, c'est mieux resize. Radis, horrible. Qui mange des radis? Personne. Personne mange des radis. Hein. Ça, c'est quoi? C'est du pané, ça, non? C'est pas ça? Je crois que c'est ça. Un pané, je crois que c'est pas fou. Non, on aime les radis. Ouais, mais vous êtes bizarre aussi, hein. Trop bon, les radis. Ouais, c'est dégueu. Alors, on est tous d'accord dans le chat, tout le monde dit que c'est dégueulasse. Bah, je me sens moins seul, quoi. Donc là, c'est quoi? C'est échalote ou c'est oignon jaune? Je sais pas trop. En général, c'est toujours bon, ces conneries, hein. Là, on a... Alors, concombre ou courgette. C'est vrai que ça va être un peu délicat, là. Je ne saurais faire la différence entre les deux. Mais bon, dans les deux cas, c'est... Ça passe bien dans les deux cas, ça va. Ensuite, j'ai plus le nom de ce truc, là. Ça, je serais pas... J'ai plus le nom de cette chose. C'est pas du fenouil? C'est pas du fenouil, ça? Non, le fenouil, c'est après, je crois. C'est quoi, c'est un... Non, je sais plus ce que c'est. Je crois que le fenouil, c'est après. Mais c'est du fenouil, ça? Ok. Fenouil, c'est... Je pense que c'est pas fou, hein. Ouais, fenouil, ça fait pas rêver. Brocoli, c'est poubelle direct. Chou de Bruxelles. Alors, les choux de Bruxelles, c'est chiant. Parce que... j'ai que les souvenirs de quand j'étais petit. Et c'était à vomir, hein, qu'on soit d'accord. Et j'ai jamais eu l'occasion d'en manger des bien faits.
Donc, on va dire D pour le moment, et peut-être qu'un jour, si on refait la tier list et que j'ai mangé des choux de Bruxelles depuis, on pourra le bouger. J'enlève une fois la cause irradiée en D. Ouais, mais j'ai mis la patate douce en S quand même. Ça peut compenser, hein. Avec des lardons et oignons. Ouais, bah écoute. Un jour, je viendrai chez toi, Papa Biggie, tu me feras ça et... peut-être me reconvertir. L'ail, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus exceptionnel. Du chou. Alors, du chou, j'en achète pas des masses. J'en cuisine pas des masses, mais... Bon, je vais le mettre en C. Je pense que ça va, ça doit être entre B et C, quoi. Mais bon, j'en ai jamais trop cuisiné, mangé, quoi, donc... poivron. Alors, poivron, c'est entre A et B. Hein. Je vais le mettre en B plutôt. Il y a des poivrons qui passent super bien. Moi, j'aime bien quand c'est bien, bien cuit, bien grillé, quoi. Mais sinon, classique, je trouve ça moyen. L'ail, c'est gouttière, ça rend tout meilleur. Ouais, je préfère mettre des oignons, tu vois. Pour le coup. La tomate. Alors, oui, alors on n'est pas que dans les légumes, il y a des tomates. Bon. Tomate A, bien évidemment. Alors, est-ce qu'on dit que c'est de la salade iceberg ou est-ce que c'est un autre truc que je ne sais pas ce que c'est? Moi, je redis que c'est de la salade. Du coup, j'ai des doutes maintenant à chaque fois que je vais sortir un légume. Bon, les oignons, c'est archi validé. Ça, je pense que c'est des... Alors, je dirais épinards, mais sans grande conviction. Épinards, ça va. Par contre, si c'est pas des épinards, j'ai l'air bête. Artichaut. Alors, dans mes souvenirs, je crois que j'en ai mangé qu'une ou deux fois chez mes grands-parents. À mes souvenirs, c'était pas fou, mais c'était mangeable quand même. Par contre, je sais plus comment ça se mange. C'est quoi? C'est t'enlèves les feuilles et tu les trempes dans un truc et tu manges une partie de la feuille, c'est ça? Ouais, c'est une connerie comme ça. Tellement longtemps, j'ai pas mangé d'artichaut. Après, ça me fait pas rêver non plus. Donc bon. Ensuite, on a un légume du passé. Alors, je dirais butternut, mais pareil, sans grande conviction. Butternut, pareil, c'est pas spécialement l'occasion de manger. Alors, la problématique de cette tier list, c'est qu'il y a plein de légumes que je mange pas souvent ou très peu ou jamais mangé en fait. Donc, du coup, les goûts, je suis un peu perturbé. On va mettre en C dans le doute. Je pense que c'est pas mauvais, mais faudrait regoûter quoi. Les carottes, c'est pas mauvais, les carottes classiques efficaces. Endive, bien bien que je sois dans la plus ou moins dans la région des endives et des chicons, j'aime pas. Désolé, j'aime pas les endives. Moi, ça me rappelle quand j'étais petit, il y avait des comment? C'est les endives au jambon. Ou genre, t'avais du jambon qui a roulé une endive avec de la béchamel dessus. Tu mettais ça au four. C'était juste trop bon, sauf l'endive. Du coup, bah, j'enlevais l'endive et puis je mangeais le jambon et la béchamel. Et ça passait plutôt bien pour le coup. Après, on a une belle patate. Enfin, ça, patate archi validée, hein, évidemment. Ah, mais ça doit être une betterave en fait. Betterave, c'est bon, hein. Bon, je vais pas dire que j'en raffole, mais betterave, c'est plutôt cool, hein. Le maïs, j'aime beaucoup le maïs. Pas envie, chicon. Pas envie, chicon. Pas enfin, chicon, non, c'est... Endive. Quoi, pas endive, chicon. Ah, on dit chicon, on dit pas endive. C'est ça que tu veux dire. Pareil. Je sais pas ce que c'est, ça. C'est des piments, non? Je pense que c'est des piments. Alors, moi, j'aime pas manger... Enfin... C'est pas que j'aime pas manger épicé, c'est que
J'aime pas quand ça pique trop, quand c'est fort relevé. Enfin, je suis assez sensible là-dessus, donc. Les pendives, on dit chicon. Ouais, mais c'est pareil, du coup, voilà. Cette chose, je ne sais pas ce que c'est. Oh, ça, c'est de la salade. Ça, c'est quoi? C'est des oignons nouveaux, c'est ça? Alors, comment, y a ma mère en stream qui m'avait donné des oignons nouveaux. J'ai jamais compris ce qui se mangeait et ce qui se mangeait pas, en fait, là-dedans. Enfin, si, je sais que le blanc, ça se mange, mais alors après, jusqu'où ça se mange pas, ça, je sais pas. C'est pas clair, quoi. C'est pas clair. On va le mettre lancé, d'ailleurs. Tout se mange. Ah. Bon, bah voilà, comme ça, c'est réglé. Moi, du coup, j'ai enlevé le vert foncé, je l'ai enlevé parce que bon. Si c'est vert, c'est que c'est pas mûr, quoi. On se comprend. On se comprend. Les asperges, c'est bon, les asperges. Et le dernier, je sais pas ce que c'est. On dirait un vomi vert. On va mettre là, je pense. Ça c'est des feuilles d'épinards, donc ça, c'est pas des épinards, du coup. Ouais, je pense qu'on est pas mal là. Hein. Ça, c'est bien des trucs que j'achèterai et que je me ferai à manger quoi. Alors, les poireaux, faut que j'apprenne encore à les faire, mais. Mais non, on les achète pour les verts, les oignons nouveaux. C'est vrai? Ah merde. Ça fait feu les hacherèves. Ah merde. Mais ceci dit, on va pas juste manger du vert, c'est moche quoi. Hey Kuro, comment ça va? Depuis le temps. Le temps des cathédrales. Bon bah du coup voilà la tier list des légumes. Hein, n'hésitez pas à donner vos réactions dans les commentaires sur le YouTube. Je vous fais des bisous et puis on se retrouve encore une fois demain pour une nouvelle tier list. Hein. Des bisous YouTube.